Dans une prison de Buenos Aires, pendant la dictature, deux hommes partagent une même cellule. Molina, homosexuel condamné pour détournement de mineurs, et Valentin, prisonnier politique soustrait à la guérilla par la police argentine. Ces deux hommes distraient leur solitude par le récit de films que Molina fait à Valentin. Notamment, un film de propagande nazie se déroulant à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Il met en scène une chanteuse française déchirée entre son amour pour un officier allemand et l'ambiguïté de ses choix politiques. Un film kitsch sur l'héroïsme et la trahison qui résonne intimement autant chez Molina que chez Valentin. Peu à peu, un doute s'installe. Ce face-à-face entre nos deux prisonniers est-il un hasard ou un stratagème ? Enfermés dans leur cellule, Molina, prisonnier de ses stéréotypes hollywoodiens, et Valentin, prisonnier de ses clichés marxistes, pourraient bien s'affranchir des rôles imposés. Devenir libre. Mais aussi en découvrir le prix au travers d'une douloureuse guérison. La guérison d'une incompréhension nationale, politique, sexuelle et humaine. Cette cellule assiégée par la violence extérieure de la dictature pourrait bien devenir l'île paradisiaque de toutes les libertés. Outside it makes so cold. You are my sweet home.